Petite Rose, bonjour. Mika, bonjour. Marc, bonjour. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Petit live. Alors, je ne viens pas avec des bonnes nouvelles. On va pas attendre les 1000 personnes, on va enchaîner directement. Je ne viens pas avec des bonnes nouvelles, on va parler de deux choses. Je vous ai mis un mot un petit peu barbare sur la page. Il y a beaucoup de gens qui se demandent qu'est-ce que ça veut dire. Bah, tapez sur Google. Google, ça peut être aussi un outil magique. Et allez voir ce que veut dire ce mot et on en parlera d'ici 2 minutes. Je voudrais juste revenir un court instant sur l'histoire des 100 euros qu'on nous jette à la gueule et essayer dans un premier temps de mesurer un petit peu les choses. Il est clair que 100 euros, on va les prendre. D'accord? On va pas faire les gagnes petits. Et que tous ceux qui en ont besoin vont les prendre. Il est clair qu'une personne qui gagne aujourd'hui 1200 balles, 100 euros à la veille de Noël, c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant pour peut-être mettre un petit peu de beurre dans les épinards. Pourquoi pas pouvoir se déplacer, aller voir de la famille et profiter et recréer du lien social, parce que je vous rappelle, ça fait quand même 2 ans de suite qu'il nous est quasiment impossible de fêter Noël dans de bonnes conditions. Donc voilà, ça, c'est clair qu'on va pas, on va pas cracher sur les 100 euros qu'on nous jette à la gueule. C'est juste le petit problème par rapport aux 100 euros, par rapport au fait que le compte n'y est pas. Je le rappelle, vous avez une augmentation de votre budget de plus de 780 euros, ne serait-ce que pour une voiture, au final, à la fin de l'année. Donc sur 780 euros, les 100 euros n'y est pas, n'y sont pas en tous les cas. Je voudrais vous faire écouter un truc, je ne sais pas si le son est bon, ce qui s'est passé ce matin, une fois n'est pas coutume, sur BFM TV, RMC Info, d'une comptable qui annonce la couleur concernant les 200 euros. C'est assez intéressant pour être entendu. J'avais reçu un message ce matin qui expliquait comment avoir accès à ces 2000 euros. Alors je suis désolé, quoi, la famille. Le gouvernement Castex est un menteur. Le gouvernement Castex vous a enflé. Déjà, première chose, hein, tous ceux qui ont cru qu'ils allaient recevoir 100 euros tous les mois, vous vous êtes perdus, les gars. Ça, déjà, c'est pas possible. Bref, on va écouter ce que dit la comptable rapidement. Je vais essayer d'accélérer quelque peu, mais écoutez ce qu'elle a à dire. Et tous ceux qui pensaient finir plus riches de 100 euros, si on peut parler de richesse, à la fin de l'année, vont être quand même quelque peu déçus. Caroline est avec nous qui nous appelle du Loir-et-Cher. Bonjour Caroline. Oui, bonjour, ça va? Ça va très bien et vous? Ben, ça va, impeccable. Alors vous allez avoir un peu plus de boulot, vous êtes comptable, donc vous allez nous expliquer comment ça se passe, la prime de Oui, ben, 100 je vais vous euros. expliquer. Bon, après, pour C'est le vous qui vous boulot, en occupez. on commence à avoir l'habitude, hein, parce que je vais vous dire, entre le prélèvement à la source et tout ce qu'ils font tous les ans, Ouais. dont vous parlez pas à la radio, parce que voilà, c'est pas forcément très intéressant, on Mais commence à avoir l'habitude. appelez-nous, dites-nous, justement. Ah, mais je pourrais vous faire une petite demi-heure Une petite chronique tous les jours, d'explication Caroline. sur les fiches de paye, mais je vous assure, ce serait un gag. Enfin bon, donc Alors ça, ce cette serait le prime. pays de l'usine à gaz. Donc du coup, oui, voilà, en fait, moi j'ai agent. Alors, écoutez bien sur la prime, c'est très très intéressant ce qu'elle a à vous dire et pourquoi on nous la donne fin décembre. Écoutez bien. Un message parce que je voulais vous expliquer pourquoi ils ont choisi décembre. En fait, c'est pas anodin. D'accord. Ils ont décidé de faire décembre et pas octobre ou novembre parce que ça aurait été mieux parce qu'en fait, là, les gens ont besoin de sous maintenant. Mais non, ils ont décidé de faire décembre parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que nous, qui faisons les fiches de paye, on va faire une formule de calcul Oui. sur la fiche de paye du mois de décembre. C'est un petit paramétrage avec des conditions un petit peu comme sous Excel. Et du coup, ça va prendre le salaire annuel moyen des salariés. Oui. Donc déjà, je vais vous annoncer un truc, ceux qui gagnent un peu moins de 2000 et qui s'attendent à avoir une prime, enfin la prime de 100 euros, alors qu'ils ont une prime dans l'année ou un 13e mois qui va du coup élever leur salaire moyen à plus de 2000, déjà ils ne l'auront pas. Voilà, déjà, première chose importante, j'espère que vous avez entendu et que le son est bon. Les personnes qui ont la chance d'être dans une société qui va leur offrir un 13e mois, voire une petite prime de fin d'année pour service accompli ou autre, vous n'avez pas les 100 euros. Vous n'avez pas les 100 euros. On vous explique que on vous donne cette prime fin décembre, c'est pas anodin. C'est-à-dire qu'on vous fait croire qu'on vous vient en aide, mais on ne vous vient pas en aide. On vous vient pas en aide parce qu'au final, on vous la donne fin décembre pour pouvoir lisser l'ensemble de vos salaires sur l'année. Je vous invite à faire le calcul
de prendre votre fiche de paye et de la lisser sur l'année et vous saurez tout de suite si vous allez pouvoir bénéficier de ces 100 euros. Tout est calculé, non pas pour nous aider, mais pour nous faire croire que l'on nous aide. Ah bah oui, ça leur passe sous le nez en effet, parce que c'est calculé sur l'année, c'est pas calculé voilà, sur... c'est pour ça qu'ils ont choisi décembre. C'est pour ça qu'ils ont choisi décembre. Un salaire annuel moyen. Et du coup, le petit logiciel, une fois qu'on aura mis notre petite formule, il va calculer du coup sur les 12 mois combien vous avez touché. Oui. Et il va dire, la condition ce sera 6, donc divisé par 12, ça fait moins ou plus de 2000, alors on débloque les 100 euros. Donc il y en a qui s'attendent à l'avoir, ils ne l'auront pas, parce que c'est pas vous touchez... Ouais, c'est pas votre salaire habituel. Vous l'avez, non, si dans l'année vous avez eu quelque chose comme 500 ou 1000 euros, vous ne l'aurez pas. Ou si vous avez un troisième mois, ou si vous avez une prime. Oui, ce qui est intéressant, Caroline, c'est que dès jeudi soir, Jean Castex disait, voilà, on a calculé, 38 millions de Français vont toucher une prime de 100 euros. Moi, j'ai tout de suite calculé que c'était pas sûr. Ah, c'est pas sûr, 38 millions de Français, vous voyez. 38 millions. Disons qu'il y a toujours, en fait, à chaque fois qu'ils font des annonces, moi je vous dis, quand je fais les payes, à chaque fois je rigole parce qu'il y a des sous-entendus, enfin je rigole, non, c'est pas drôle, mais il y a toujours des sous-entendus qui disent pas. C'est comme s'il y avait des petites astérix en fait, et qu'il fallait lire la petite exactement. Petite et ça, on peut le savoir que quand on le fait, parce que voilà, c'est. Et ensuite, donc du coup, comment ils vont récupérer l'argent? Vous allez avancer, c'est-à-dire que vous, sur la fiche de paye, donc une fois que vous avez calculé tout ça, que vous vous retrouvez en effet avec ceux qui gagnent moins de 2000 euros par mois, vous allez rajouter une ligne sur la fiche de paye de décembre? Voilà, il y a une ligne qui va du coup se mettre toute seule suite à notre paramétrage, et du coup, il y aura 100 euros pour le salarié qui est concerné. D'accord. Du coup, l'entreprise, effectivement, comme vous dites depuis ce matin, va sortir de la trésorerie, et comment on va la récupérer, en fait, c'est que après, quand vous payez vos cotisations URSSAF, c'est soit entre le 5 ou le 15 en fonction des entreprises janvier, c'est toujours le mois suivant où vous avez fait les payes. Oui. Du coup, il va falloir également faire un paramétrage URSSAF de façon à ce qu'il y ait une rubrique, ça s'appelle. J'essaie d'être simple. Bon, bref. Voilà, on y est. En plus, au prix du gaz, de créer une usine à gaz comptable qui emmerde tout le monde, on se fait enfler. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est pas un gilet jaune qui le dit. On est sur RMC, chaîne d'État, chaîne de propagande, où vous avez une personne qui est comptable de métier, qui connaît les chiffres, et qui dit très clairement qu'on se fait enfler. D'accord? On nous fait croire au Père Noël. Le Père Noël, vous l'avez devant vous. On nous fait croire au Père Noël. Tenez, prenez 100 euros, vous voyez, même 38 millions de personnes qui vont la toucher. C'est pas sûr. La comptable rigole doucement de tous ces effets d'annonce où on ne voit pas ces petites astérix qui vont surtout te dire de comment tu vas pas les avoir, les 100 euros. Moi, je vous le dis, hein, au quartier, partout dans la rue, tout le monde le dit. C'est du foutage de gueule. Alors maintenant, on fait quoi? Parce que hormis les familles, vous avez aussi tous les professionnels de la route. On fait quoi? On continue de se faire enfler? On continue de nous mentir, on continue de nous faire croire que pour 100 euros, on va nous acheter le silence. Voilà, la famille, je sais pas quoi, c'est ce genre de choses qu'il faut partager. C'est ce genre de choses que les gens doivent être au courant. Tout le monde n'écoute pas RMC, tout le monde n'est pas abonné à la page Jérôme Rodriguez. Votre rôle, c'est de faire comprendre à ces gens-là qu'on nous la met à l'envers. Voilà. Tout simplement, vous croyez toucher 100 euros, il n'y aura pas 38 millions de Français et vous ne saurez pas, il n'y aura pas plus. Voilà, ça c'est pour le premier sujet. Je pense qu'à un moment donné, t'as pas 100 balles, ben personne n'a 100 balles au final. Personne n'a 100 balles. Et je vous rappelle que par semaine, vous gâchez 15 euros de plus par plein de 50 litres. Faites le calcul jusqu'à fin décembre, ça représente 8 semaines, 8... bref, les 100 euros, on les a déjà bouffés. On les a déjà bouffés avant même de les recevoir, ne serait-ce qu'en plein. Voilà, c'est des calculs très simples. On nous endort à la télé, on nous sort des mots compliqués, inflation, je sais pas quoi, augmentation, patati patata. Les Français sont satisfaits du chèque. Mais ils sont satisfaits de quoi? D'avoir cru à un mytho? LREM, le mytho en marche, le mytho en marche. Bref. Deuxième sujet que je voulais voir avec vous, parce que ça aussi, ça m'a rendu fou et j'avais vu le phénomène, je vous le rappelle, hein, malgré ce qu'on en pense, malgré ce qu'on en dit, et bientôt je vais mettre mon CV en ligne, comme ça, ça va fermer aussi quelques bouches. J'ai travaillé 20 ans dans le commerce
Et hier, j'ai regardé, je suis tombé sur les infos sur M6 à 20h, parce que je voulais voir E égale M6, parce que c'était intéressant comment on fabrique les bonbons. C'est mon côté gamin. Et on a parlé d'un mot que vous allez pouvoir retrouver sur la page qui s'appelle la shrinkflation. Shrinkflation. Autrement dit, comment se la faire mettre bien profond. Voilà. Ceux qui ont Google, je vous invite à aller voir ce que veut dire ce mot-là. Moi, je connaissais le phénomène, je ne connaissais pas le mot. Le mot, il est vachement bien, bien barbare, comme ça, on est sûr qu'on ne le prononce jamais et on n'en parle pas. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le phénomène de vous vendre la même boîte, le produit que vous achetez constamment, la même boîte avec moins de quantité à l'intérieur. Votre boîte de céréales que vous aviez l'habitude de donner à vos gamins pour le petit déjeuner, votre paquet de pâtes, la bouteille de soda. Le phénomène est très présent dans les paquets de chips. Vous allez avoir exactement le même package, mais vous allez avoir moins de quantité à l'intérieur et le prix reste le même. Donc vous n'avez pas un phénomène de baisse de prix ou quoi au caisse, vous avez un phénomène de baisse de quantité à l'intérieur des paquets, des sachets, de tout ce que vous achetez, d'accord? Mais vous payez exactement le même prix. On vous en met moins, mais vous payez le même prix. Alors il a bonne gueule, monsieur Édouard Michel Leclerc, là, celui qui va sur toutes les télés pour dire que Leclerc, la vie moins chère.com et compagnie. La vie n'est pas moins chère parce que, au pire, vous les augmentez, au mieux, vous baissez la quantité. Voilà. Alors, il est vrai qu'il est toujours intéressant d'acheter au kilo et de regarder les étiquettes pour savoir quel est le prix au kilo. D'accord? On est sur du pur marketing. Il y a quelque chose d'assez précis. Vous savez, sur une tablette de grande surface, on a un truc qui s'appelle le mètre linéaire. Et les magasins vont vous calculer au mètre linéaire, au centimètre linéaire près, la rentabilité d'une tablette. C'est-à-dire que vous allez mettre un produit, vous allez pouvoir en mettre 6 derrière, un produit à 1 euro. Votre tablette est rentable à 6 euros. Vous enlevez une boîte, il vous reste plus que 5 euros. Mais là, avec le phénomène de la shrinkflation, d'accord? Ils vont vous mettre une quantité moins, ils vont vous garder la même taille de boîte, ils vont juste réduire la profondeur de la boîte, et ça veut dire qu'ils vont même en mettre plus sur le rayon, d'accord? Plus sur la tablette, et encore plus rentabiliser la tablette. D'accord? Alors pour ceux que ça intéresse et pour ceux qui veulent aller chercher plus d'informations, vous tapez rentabilité au mètre linéaire. J'ai appris ça à Disney, au moindre centimètre. Ils vont vous dire le chiffre d'affaires dégagé par un produit. Sauf qu'aujourd'hui, on vous en met moins, beaucoup moins dans un sachet, et on vous laisse exactement le même prix. Et moi, je sais que comme beaucoup d'entre nous, je le fais aussi, il y a des produits qu'on a l'habitude d'acheter parce qu'on achète depuis qu'on est gamin. D'accord? On arrive dans le rayon. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que. Bah, la confiture, par exemple, voilà, j'ai toujours ma confiture préférée, mon goût de confiture préféré, c'est le genre de produit. J'arrive en rayon, je pose, je prends le pot, je le fous dans le caddie, je regarde même plus le prix, parce que ça fait des années que j'achète ce produit-là. Et ben, bah, au final, peut-être que je suis en train de me faire enfler, parce qu'ils m'en ont mis moins à l'intérieur, mais ils m'ont laissé au même prix. Voilà. Ça aussi, ça impacte directement le pouvoir d'achat. Ça aussi, ça impacte directement, l'économie de nos poches. Alors oui, ça fait longtemps, je sais, les gens, il n'y a pas de compris. Moi, je ne connaissais pas le mot, je connaissais le phénomène, je l'ai vu moi-même, d'accord? Je suis assez fan des M&M's, hein, chacun ses vices. Même des fois, vous allez acheter un paquet de 500 grammes, ils vont vous donner 10% au plus, d'accord? De gratuité, et vous avez le paquet de 1 kilo. Bah, je vous garantis, prenez deux fois les 500 grammes, vous paierez moins cher que le kilo. Il y a des techniques comme ça. Je ne connaissais pas le mot. Maintenant, beaucoup le savaient, mais il y a des gens qui ne le savaient pas. Donc renseignez-vous à ce sujet. C'est toujours intéressant parce que ça impacte directement la poche, notre poche. La shrinkflation. Voilà, vous avez l'inflation, l'augmentation des prix, la déflation, et vous avez la shrinkflation. Ou comment se faire entuber. Se faire entuber. Bon, voilà. Après, je vois dans les comme les baguettes de pain, les baguettes de pain, les baguettes de pain.
Il y a un truc qui va pas. Soit c'est une baguette, soit c'est un pain. En parlant de baguette, je suis tombé sur des articles de l'augmentation du prix de la baguette. Je vais aller voir si je retrouve l'article, parce que ça aussi, hein, si... il y en a qui vont vous faire des référentiels par rapport à combien de temps tu mets à acheter un Big Mac dans le monde. Là, on est en train de parler de baguette, un truc bien français, d'accord, que tout le monde mange tous les jours, pour la majeure partie d'entre nous. Tout le monde sait ce que c'est une baguette. Voilà. Donc, le Figaro, hein, vers une augmentation du prix de la baguette de pain. Ah ouais, prix de la baguette de pain. Ok, je ne savais pas que ça se disait. Je m'excuse par rapport à la personne qui m'a écrit. Baguette de pain, alors combien vont nous foutre dans la tronche? Bon, le blé a pris 30%, salarié 45%. Voilà, une augmentation de 20 centimes. Non, ce serait beaucoup. Bon, bref, on va se prendre une... La baguette est à 90 centimes. On va se la prendre à 1 euro, la baguette. On va se la prendre à 1 euro. La famille, j'espère que ça a été instructif, que ça vous servira à quelque chose. Je vous demande de partager, ne serait-ce que la première partie sur les fameux 100 euros et comment on nous vend un rêve, mais comment on nous vend un rêve, mais de dingue, et sur la fameuse shrinkflation. Voilà, vous voyez, je ne suis pas toujours là en train de gueuler, je ne suis pas toujours là en train de m'énerver. On peut aussi discuter et voir qu'il y a des choses correctes. Ça, on l'a vu sur M6. M6, c'est un quart d'heure de journal télévisé. Vous ne le verrez peut-être pas sur les chaînes mainstream les plus regardées et on ne vous parlera peut-être pas de ce phénomène où on vous en met moins dans la boîte, mais on vous fait toujours payer aussi cher. Voilà. Bisous la famille. Il est quelle heure? Il est midi, je crois. Ouais, bon appétit. Prenez soin de vous. On se voit très rapidement et je pense qu'il est grand temps d'agir. Prendre contact avec les ambulances, les VTC, les taxis. Les patrons qui ont des chauffeurs routiers et qu'il serait grand temps qu'à l'échelle et à l'égal de ce qui se passe en Italie, que nous puissions bloquer quelques routes pour faire comprendre à Monsieur Castex, son gouvernement, le premier sinistre, que ce qu'il nous a jeté à la gueule, c'est du vent. C'est du vent. Et à part s'enrhumer et choper le Covid, eh ben on gagnera rien d'autre. La famille, je vous fais un bisou, prenez soin de vous, bon appétit et à très vite.